La tête de réseau RA Immobilier a pris la décision de rejoindre la FNIM suite à 4 constats précis sur le marché aujourd'hui. On constate premièrement que la profession est beaucoup trop morcelée. Il faut arriver à solidifier, il faut arriver à augmenter la coopération entre les professionnels de l'immobilier, tous les professionnels concernés, qu'ils soient indépendants ou qu'ils fassent partie des grands groupes intégrés ou qu'ils soient dans un réseau de franchise. On voit deuxièmement qu'il y a une image parfois un peu disparate par rapport à la profession, qui n'est pas toujours forcément positive, même parfois négative. Il faut arriver à augmenter cette image qu'on peut avoir sur le marché, qui est très important. On constate aussi un environnement juridique qui est assez compliqué, difficile et qui augmente justement la complexité de ce travail. Donc l'importance, encore une fois, de se regrouper pour pouvoir mieux y comprendre et y apporter quelque chose. Et dernièrement, le mauvais climat économique qui apporte des décisions des gouvernements qui ne sont pas toujours dans l'intérêt justement pour défendre le logement et des professionnels de l'immobilier. Alors la FNIM représente pour nous deux objectifs précis. Le premier, c'est justement cette volonté de progresser, d'avancer dans l'intérêt de la profession. Et deuxièmement, c'est un dynamisme pour améliorer le professionnalisme, améliorer le fonctionnement et surtout d'améliorer le service qui est apporté aux professionnels de façon à ce qu'ils puissent améliorer les services qu'ils vont apporter auprès de leurs clients acquéreurs et clients vendeurs.